Hey les orques! Salut, salut, salut! Un peu dans le noir, la pénombre. Tout éclairé ici. C'est bien. Bon alors aujourd'hui, cet après-midi, on continue notre ami ici présent. Alors, ce qu'il faut que je continue, c'est mon NMM de la hache. Je continue de ce côté-là. Et aussi, on avait vu comparer les deux qui sont là. Alors, je contraste un peu plus le truc dorsal pour avoir le même effet. La différence, c'est que là, c'est du doré, peinture dorée. Et là, c'est du NMM, donc il va falloir que je compare un peu les deux et que j'essaye de faire le même effet. Très intéressant cet exercice, très intéressant, ça me plaît. Alors, je vais récupérer du Lavando Negro, a black wash. Voilà. On va en mettre. Est-ce que je peux en mettre en haut aussi? Pas forcément besoin d'en mettre en haut.
Ok, alors. Donc, si je compare les deux. Salut, salut! Ouais, bah oui, j'avais fini ma sieste. Impatient de retourner sur ce travail de peinture. En miniature dans le chat, je dois faire quoi pour le retirer? Ah, ça, j'en sais rien. C'est très bizarre, effectivement. Alors, donc, je me suis élargi un peu trop, c'était sur le dessus. Pas trop la peine d'aller aussi loin.
Ouais, il doit y avoir un truc, quoi. Alors, on va tâcher de refaire la même chose sur la lame et l'autre côté. D'abord, je vais faire quelques points
ici sur la queue. Le stylo marque sur le plastique, un peu. Ça dépend des plastiques. Ça dépend de quoi il recouvre le plastique. La figurine, c'est du plastique, oui. C'est recouvert avec de la peinture. Donc, si j'écris mon stylo sur la peinture, oui, ça va marquer. Je vais faire l'inverse plutôt. Qui voilà, Jean-Marc. Salut Jean-Marc, merci pour ton follow. Salut, salut, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? On va tâcher de faire aussi bien que de l'autre côté.
Ça va, j'arrive chez un client, je pourrai pas rester malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien que tu passes déjà. Toujours pas papier Leclerc, non? Bah, c'est pas grave, hein. Il va falloir que je récupère du papier Intermarché. Ils en ont aussi, hein. Oups, putain, trop d'eau là. Ouais, bah là j'avais oublié de boire le mien et puis j'avais envie. Par contre, j'ai oublié ma paille. Ma petite paille. C'est plus pratique. Aïe! Bon bah j'ai été exprès à mon magasin de motoculteur là pour récupérer ma petite durite. J'ai fait exprès de prendre ma petite voiture sous la pluie pour y aller.
Et c'est con, il ferme le jeudi. Le seul jour de la semaine où c'est fermé, c'est le jeudi. Putain. Ça m'énerve. Si c'est ballot, tu m'étonnes que c'est ballot. Ok, alors on va y aller avec le white. Pure white. Action, j'en ai pas vu là, j'y étais il y a pas longtemps pour récupérer les autres packs. J'ai pas vu de papier. J'ai vu quelques bricoles sympas parce que je me dis, tiens, je vais peut-être. D'habitude à la kermesse de l'école, je mets un bon pour un portrait.
Et puis c'est tout. Et là je me dis, je vais peut-être faire un petit panier garni de l'atelier d'Alan. Il y a pas mal de bricoles pas trop chères pour faire un petit panier garni à 20 balles là. Ok. Aller trop vite. Dès que tu essayes d'accélérer le processus parce que tu dis bah c'est bon j'ai compris. Ah ben en fait non. Prends ton temps. Sinon tu peux merder ton truc, ça sera moins chouette. Petit dégradé qu'il y a sur le plat de l'épée, enfin de la lame. Si je me dépêche, ça fait moins propre. Ok, bon, on est presque bon là. Il y a une petite comparaison avec le truc dorsal. Là. Tout à fait le même jaune, mais ouais, on a un jaune un peu plus chaud. Un jeu de patience, mais c'est ça. C'est un jaune un peu plus chaud, mais bon, c'est pas trop mal quand même. Je trouve ça va. C'est pas très lisible, par contre, c'est là-haut. Va falloir que je sépare un peu ce duo là. Bah, faut juste que je trouve quoi. Attends, il est où le truc que je suis en train de me faire hein? Ah non, pas du tout, mais pas du tout en fait. Pas un truc aussi foncé, qu'est-ce que tu me fais? Je pense que mon jaune n'est pas assez chaleureux, pas assez vert. Je sais pas ce qu'il faut rajouter dans ce jaune pour qu'il soit plus doré. Attends, je vais revenir dessus après, mais... Je voudrais juste enlever quelques trucs.
Bon, les rainures, ça c'est bon, j'ai mis du noir dessus. Celles qui sont dessous, là, ils ont déjà eu un petit coup de noir. C'est peut-être même un peu trop épais à mon goût. On va remettre un petit éclat sur le dessus. Ok, alors on va remettre un petit coup sur les griffes parce que j'ai mis un coup de la vie, mais du coup ça a foncé un peu les griffes. Hop. Voilà, alors on va faire un socle vert que je vais reprendre à tous les... Attends, je vais me chercher une paille, je reviens. Toutes les figurines qui ont eu un socle, tu vois, ça c'est la couleur du plastique d'origine. Et donc j'avais dit que pour garder la couleur du socle d'origine nos figurines, à chaque fois je vais faire les socles, tu vois, regarde, et les héros ont une figurine, c'était tout rouge, et donc pour garder ça, j'ai fait le socle des héros en rouge. Et pareil pour les sorciers de Morcar, ils étaient bleus, bon c'était un bleu foncé presque noir, moi j'ai gardé quand même un bleu pour que ça soit plus joli, mais le socle est bleu pour les sorciers de Morcar. Et du coup, pour les fimières qui avaient un plastique vert, je vais refaire un socle vert. Mais il faut que je choisisse le bon vert. Un vert foncé, je pense. Un vert foncé, ce serait pas mal. Ah. Tu peux refaire la comparaison de... Tu vois ? Il faudrait que j'ai un verre comme ça en fait. Ça serait pas mal. Donc je pense que je vais me le faire parce que j'ai pas ce verre là. Donc on va s'en faire un. Je vais prendre un verre comme ça. Je vais mettre du noir. Voilà, très bien. Le bouclier. Quel bouclier? Je t'ai montré un bouclier. «
Ah, tu veux dire le truc qu'il a sur le vide là? Attends, j'arrive. Je vais mettre ma petite couche de peinture sur le socle avant. Je vais faire une première couche de ce vert. Ça rappelle assez bien la couleur de base. Tac. Donc la différence en fait c'est la couleur du jaune hein, qui n'est pas le même. Et peut-être qu'il faudrait que je dessine un peu plus clairement les côtés. Mais tu vois, c'est rigolo parce que ce qui se passe là, ce qui se passe là n'a rien à voir avec ce qui se passe en vrai. Regarde, tu vois, en vrai, il se passe rien du tout. C'est doré, c'est du doré pur. Il se passe seulement des trucs dès que tu commences à bouger la figurine. Tu vois, dès que tu commences à bouger la figurine, là, il se passe des trucs. Et donc, l'intérêt du NMM, c'est que, par exemple, là, moi, j'aime bien quand il se passe ça. Ben c'est ça que je vais essayer de peindre, tu vois. Et du coup, quelle que soit la façon que tu le tournes, quelle que soit la façon que tu l'éclaires, ça va être ça que tu vas voir. Mais bon, je pense que tu as compris le truc maintenant. Ça manque un peu de... Ça manque encore un peu de clarté. Ben, ce qui manque un peu, effectivement, c'est... Déjà... qu'on voit un peu mieux. Là on est sur du grosse quantité de peinture sur mon pinceau, c'est pas judicieux. Comment? La peinture qui a tendance à se séparer, je sais pas pourquoi. Ah, ça a bavé, chier. J'ai le jaune qui a coulé dans le trou. Là aussi. Et que la peinture sur ma palette est assez humide. Alors. Parfois je m'en rends pas compte, mais elle est un peu trop liquide.
Alors donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment avec ce buste. Je vais finir le socle. Je vais rajouter du vert comme ça. Elle veut que ce soit parfait, oui. On fera mieux au prochain. Là, j'ai envie de changer de figurine. T'inquiète, elles sont là pour ça, ces figurines. Progresser. Figurine après figurine. Ah oui, bah c'est mieux de toute façon, ça c'est sûr. Après, je pense que c'est les bonnes couleurs qu'il faut que je trouve. Là, pour l'instant, les couleurs que j'utilise font pas assez... c'est pas assez chaud comme, comme doré. Cette couleur, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas peint le socle du coup, parce que c'est quasiment la couleur d'origine. Ta main, on voit plus rien. Excuse-moi. Trop concentré. C'est bien ce bouton, hein. C'est pratique.
pareil, c'est une vraie volonté artistique de pas non plus rajouter des trucs au socle. Là, mes figurines d'origine, figurines de HeroQuest de base, de mon plateau, là, j'ai vraiment envie qu'elles soient juste peintes. Pas de transformation, pas de conversion, pas de rajout sur le socle pour que ça soit plus cool. Rien, que de la peinture. Je vais pas changer les armes. J'ai vraiment envie de conserver les figurines d'origine telles qu'elles. Et après, on verra. Quand je les aurai toutes peintes, déjà je vais refaire une boîte aussi. Je vais refaire une boîte et à l'intérieur de la boîte, en fait, je ferai des petits murs en fausse pierre, en polystyrène, ce qui va séparer les figurines. Et comme ça, je pourrai les ranger tous les unes à côté des autres sans qu'elles se. Tu sais, quand tu déplaces la boîte là. Sans qu'elles s'entrechoquent entre elles. Et du coup, ben, comme ça, là, la peinture va rester comme il faut. J'ai vu une chouette boîte HeroQuest en forme de coffre-fort. Alors, je vais pas faire le dessus bombé comme un coffre-fort, mais j'aime bien quand même l'idée. Une boîte plus grosse. Pas plus grande, mais plus grosse. Plus épaisse, où je pourrais tout mettre dans la boîte en conservant un maximum tout ce qu'il y a dedans. Parce qu'une fois que tout sera peint, j'aurai quand même quelque chose de une valeur certaine. Et ce que je veux, c'est quand quelqu'un ouvre la boîte, s'en prenne plein les yeux. Déjà moi-même que je me fasse plaisir. Parce qu'après, ce que je pense que je vais faire une fois que j'aurai fini les figurines, c'est que je vais peindre le mobilier aussi, mais du coup, je vais sculpter. Parce qu'il y a énormément de trucs imprimés sur papier. Je vais te montrer un exemple. Ok, alors je vais mettre ça de côté parce que je pense que ce petit fimier... Ouais, je vais le fabriquer moi-même, bien sûr. Ce petit fimier est terminé. Pas trop contrasté au niveau du... On n'est pas trop mal. Au niveau de la peau, pas trop contrasté. On a du joli NMM. On est pas mal. Alors, on va mettre ça de côté 2 secondes pour que je te montre le mobilier du jeu HeroQuest. Donc, quand tu joues à HeroQuest, en fait, c'est un jeu de donjon. Donc, tu rentres dans des salles et t'as des petites choses comme ça. Oups. T'as des petites choses comme ça. Donc, t'as ce petit truc en plastique. Avec un crâne et un rat dessus, mais l'armoire en elle-même est en carton. Donc l'idée, moi, que j'ai derrière ça, c'est de conserver ça, mais de sculpter dessus l'armoire, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Donc à partir de là, repartir avec de la pâte polymère et de resculpter tout ça. Pour avoir une armoire en 3D dans la même idée que ce truc là quoi. Les portes, c'est bon parce que j'avais déjà acheté il y a longtemps des portes toutes faites. Donc ça c'est un truc que j'avais acheté il y a longtemps et je l'avais mis de côté parce que c'était trop petit pour mon gros plateau d'HeroQuest que j'avais refait. Et en fin de compte, bah, c'est nickel pour le plateau qu'on sert en fin de compte, parce que mon gros, il est trop gros de toute façon. Donc ça aussi, ça va être à repeindre sur du carton sculpté dessus, sur le carton. J'hésite un peu, mais c'est pas impossible, ouais. Tu vois, par exemple, cette table là, ça va être assez simple comme boulot. Et effectivement, sur le carton, ça peut aller vite, quoi.
Ou alors l'enlever et peindre carrément. J'avais fait un coffre déjà comme ça. Coffre fort, je sais pas si tu te souviens, il me semble que je l'avais fait en live. Pour utiliser mon... mon leftover de green stuff. Ok, alors ça c'est sec. Donc je vais pouvoir mettre un petit coup de bombe. Et on a un peu de temps. J'ignorais qu'on pouvait sculpter sur du carton. Alors, je vais pas sculpter le carton. On est d'accord? Je vais utiliser de la pâte polymère que je vais mettre sur le carton. Le carton va juste me servir de support en fait. Bon, j'aime bien la couleur de ce socle. Ouais. Ok, bon, lui il va bien briller pendant quelques temps. Attends que ça sèche. Et on va passer à notre petit bonhomme qui est là, encore un peau verte. Donc lui c'est un orc. Eux on commence à les connaître, même toi qui n'es pas trop Heroic Fantasy, tu commences à connaître les orcs, je pense. Tu vas les reconnaître de loin maintenant. Donc on va ébarber. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ébarber? C'est enlever en fait la trace de la moulure. Tu vois, ça, c'est des figurines qui étaient encore à l'époque moulées en deux parties. Tu avais un devant, un derrière, c'était fermé. Et après, le plastique était injecté dans le moule. Et du coup, quand tu réouvres le moule, tu te retrouves avec. Bon, tu vois peut-être pas, mais. Avec une ligne en plastique qui a un peu de relief. Donc ça, si tu l'enlèves pas, bah, quand tu vas peindre, tu vas la voir. Alors qu'il suffit de gratter un petit peu et elle s'enlève assez facilement. Il n'y a rien qui fait plus con que ta ligne de moulage que t'as pas enlevée. Ok, là, il y en a encore un peu. Alors ce qui est bien, c'est qu'à l'atelier, j'en ai que j'avais peint. Tiens, j'aurais bien été les chercher d'ailleurs. Il y en a que j'avais peint à l'époque où j'avais repris un peu la peinture. Je serais curieux de savoir, on fera après, comparer ce que je vais peindre là et ce que j'ai peint il y a 4-5 ans, quand je me suis remis à la peinture. Mets-toi plus au milieu. Il faudrait que j'ai trois yeux. C'est que la caméra est assez près. Donc à peine je commence à faire ça que je suis déjà plus dans le champ quoi. Ok, alors. Donc on va partir sur un verre. Mon verre habituel. Encore une bestiole verte, mais justement l'idée c'est de faire un verre différent. Ah, Leclerc, il y avait longtemps. Blablabla. Nanana. Fuck off. Après, ils sont pas trop anciennes parce que les figurines que j'avais moi quand j'étais gamin et que j'avais peint à l'époque, ils ont été perdus. C'est pour ça que j'étais pendant un temps en quête. Que j'avais refait le plateau moi-même parce que c'est le plateau, il avait survécu. J'avais tout en fait sauf les figurines, donc j'étais parti en quête sur eBay tout ça de figurines, hein. Donc j'ai plus mes figurines d'origine. Ce que j'ai, c'est les figurines que j'ai commencé à repeindre quand
quand j'ai commencé à repeindre mes figurines, quoi. Donc ça, c'est pas très très vieux. Il y avait déjà à l'époque une petite tentative de peindre les muscles, etc. J'avais déjà abandonné l'idée quand même de faire du juste du lavis et de et du brossage à sec, parce que sur ces figurines là ça marche pas tellement bien. Bon là, ils sont tous un peu pareils, les orques. Hein. C'est pour ça que je disais ce matin, tu vois l'éphimère là, celui que je viens de peindre. J'en ai encore 5 derrière. Donc je vais pas tous les peindre les uns derrière les autres parce que après ça va devenir chiant. Autant que là, j'ai kiffé de peindre celui-là. Et que je le trouve très bien. Que si j'en peins 5 comme ça, ça va me gaver. Donc je vais intervertir, je vais peindre un petit peu de tout et comme ça je reviendrai sur l'éphémère après. Puis ça se trouve avec un peu de bol ils seront un peu différents du coup, ils seront pas tous pareils. Faut que ça reste plaisant. Ok, donc on a une couleur de base. Je vais reprendre de mon vert orque et ceux que tu as eu sur Hachette. Ah bah là, ça c'est encore une collection. Ils sont plus grands, c'est pas du 28 mm, c'est du 35 mm. Donc c'est des figurines plus grandes. Et bah faudra que je les peigne aussi à un moment donné. Là, ça va être rébarbatif pour le coup. Alors, mais rien qu'avec Iroquois déjà, j'ai de quoi faire. C'est vrai qu'au départ, j'avais dit je peins mon armée d'orques. Le sujet s'est un peu éloigné. Tu les as reçus pour finir les derniers que Riku avait eu avant toi? Ouais, je les ai reçus et puis là j'ai reçu celui d'après, donc c'est juste qu'ils étaient bien en retard. Donc là j'en ai 8 quasiment en même temps là. À 2 ou 3 semaines d'intervalle. Thank you.
Viewer, ça va. Goku, Eriko, est fini? Ben, il est fini de dessiner, mais maintenant il faut le découper et le mettre sur un carton pour qu'il soit beau. J'ai essayé déjà de piquer ses yeux. En plein juste à côté. Ouais, pas mal Alan, pas mal. Un gros tas de merde. Ok, alors, ensuite... Je pensais que c'était fait. De quoi, le carton? Ah non, non, j'ai pas fait encore. Il faudrait. Quelle couleur je vais faire ça? J'aurais bien fait une couleur un peu chère. On va essayer des trucs là. On dirait que Riku travaille sérieusement en ce moment. On l'a plus trop pendant les heures de. Pendant les heures de boulot. J'ai
J'espère que c'est pas juste parce que le Goku est terminé. Ouais, d'habitude mes orques ils sont ouverts, mais là je tente des trucs. Il ne devait pas être en déplacement, c'est possible. Ouais. Tu verras pas le tirage au sort aujourd'hui. Oh putain, oui, t'as raison. Faire ça à 4 heures on fait ça.
petit ballot. J'aurais bien aimé lui montrer mon NMM et savoir ce qu'il en pense. Ce qui est fou, c'est que je réalise quoi que pour avoir les effets que je veux sur mes figurines, il faut y passer vachement de temps quoi. On n'est plus sur la figurine peinte en 2 heures quoi. Le finir 3 heures quoi. Ça va pas du tout ça. Mais là mes yeux ne veulent plus faire le point. Dès que je me rapproche de la figurine, il se barre. Ouais, c'est ça. Faut être minutieux. Alors moi, mon impatience, c'est mes gros doigts. C'est bizarre que la bouche remonte aussi loin. Peut-être pas besoin de la faire remonter aussi loin la bouche. Attends, ça fait partie de la sculpture, faut pas y faire grand chose.
bon, le café est froid, hein, je cache pas. En même temps, ça fait une heure et demie que je me le suis fait, donc c'est un peu normal. On a une vieille figurine d'or qui est un peu, enfin 28 mm, un peu petite pour mon armée. Je me demande si je vais pas la coller sur un socle HeroQuest et l'inclure dans le game. Thank you.
Ah, c'est l'heure. C'est l'or. Ouais. Il est l'or. On va faire le tirage au sort. L'or du tirage au sort. Monseigneur. Ok, ok, ok. Il est 8 heures. Non, il n'est pas 8 heures, non. Oui, oui, oui. Putain, ça veut dire que j'ai fini ma journée figurine. Oh, c'est triste. Toute la semaine, j'attends ça. Bon, on est pas mal au niveau de la peau là. J'aime bien ce qui se passe, c'est pas juste vert. Ok, bon. Encore un petit look vite fait sur ce qui a été fait aujourd'hui. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Alors là, on a un MM qui me plaît bien. Que ce soit métallique. Métal, acier ou doré, ça me plaît bien. Il est bien. Il est beau. Bon, alors, maintenant, comment on va setup le truc? Je vais vous montrer ce que je vois là, je pense. Ouais. Il va falloir que je retrouve le lien. Tic-tic-tic. Que je retrouve le lien avec le... Alors attends. Plouf plouf, un tirage au sort ou c'est la roue tournante? La roue tournante. Voilà. Alors, on va y mettre. Donc Manu a gagné la dernière fois. On va y mettre Riku. Et tu sais pas, on va mettre tout le monde parce qu'on a raté une fois. On va mettre tout le monde. Manu. Leewood. On a qui? Alors attends. Toujours un petit trou de qui c'est qu'on a. La 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 la. Parce que vous êtes 9, mais il y en a que 6 membres qui. 7 membres. Ok. Alors, on a qui d'autre? La 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 la. Ok, on a Julius. On a Annie qui est plus là, Morgane et Philippe et Stig. Oups, merde, je vais un peu trop vite. Stig, voilà, les 7. Les 7 qui payent pour le moment. Bah Annie, non, il n'y est pas encore. Elle voulait le faire, mais elle l'a pas encore fait. Ok, donc ben on va y aller. Suspense. On a Morgane. Morgane, si tu nous écoutes, c'est toi qui as gagné. Voilà, voilà. Je remets un petit coup ici parce que je vais faire un copier écran. Tac. Et voilà. C'est bien, ça n'y arrive pas souvent. Ben. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle gagne quelque chose. Donc effectivement, c'est pas souvent. Bravo à toi Morgane. N'oublie pas de me contacter
Dès que je vais t'envoyer un petit mail, nous on va regarder qui c'est qui est en train de streamer en ce moment. Alors on va couper ça. Notre bouche, on a Tévis, mais ça c'est... Oh non, on a Aurélien, on va aller voir. Attends, Anne, Yann, Yann Hart, il fait quoi en ce moment? Ouais, bon, on va aller voir Aurélien. A tout à l'heure, on revient avec du dessin. On va continuer le portrait de Riku. On a les deux visages qui a été approuvé par le client, donc c'est bon. Je vais pouvoir passer des heures à faire le reste. Donc, à ce soir, 21h30, pour un dessin Star Wars. Bonne fin d'après-midi et ouais, bah très vite, hein, j'ai envie de dire. On fait comme ça. Des gros bisous et portez-vous bien. Et à très vite. Allez, salut.